Un endroit idéal pour créer les chambres des enfants et une suite parentale. On a plus de mots là. C'est tout à fait ce qu'on attendait. T'as trouvé ce coup? Ouais, franchement, c'est un petit bijou quoi. Pour nous, on se voit avec nos enfants là. Alors, le prix est de 367 000 euros. Ouais, là, on déplafonne quoi. On déplafonne de 27 000 euros. Ouais, ouais. 27 000 euros. D'après toi, est-ce que c'est négociable? Alors, moi, je ne peux que faire la demande dans votre budget à 342 000 euros. Si c'était possible à 342 000, les travaux qu'il y a ne vous font pas peur? Non. Là, vous trouveriez les moyens. On prendrait le temps de les faire, on sait que ça ne va pas se faire dans la semaine. Parce qu'il y a beaucoup de surface. Mais on prendrait le temps de les faire parce que les volumes nous plaisent et le quartier nous plaît. Je vais le tenter. Et de toute façon, il faut quand même qu'on parte sur votre visite parce que pour peu qu'on ait un refus, et ben, il va falloir continuer. Et voilà. À Paris, Stéphane Plaza et Patrick continuent leur visite. Direction l'un des arrondissements les plus en vogue, le 11e. En route pour un studio de 23 mètres carrés. La résidence a du cachet, elle est calme et bien entretenue et a une petite surprise non négligeable. L'appartement est inhabitable et il faut une bonne dose d'imagination pour s'y projeter. D'autant que la pièce capitale pour Patrick, à savoir la salle de bain, est toute petite. Mais Stéphane Plaza a tout prévu. La salle de bain. Une salle de bain, ça. C'est un placard avec un lavabo. À la baignoire carrément. Oh là 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 là. J'ai une solution. Une solution. Le temps. Oui. La salle de bain ici, le WC ici, d'accord. On oublie. On fait un coin cuisine. Et on va faire une salle de bain lumineuse pour ranger tous nos produits. Ici. Attends. En inversant cuisine et salle de bain, l'appartement serait disposé exactement comme le souhaite Patrick, qui est emballé par les propositions d'aménagement.